Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de mes favoris du moment, mes favoris du printemps, on va dire des 3 derniers mois. Ça fait un long moment que je vous ai plus filmé de vidéos consacrées à la beauté au naturel, etc., consommation naturelle, et je vous avoue que ça me manque. Je vais tout de suite commencer pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps. Donc dans cette vidéo, pour une fois, j'ai énormément de produits au niveau de la beauté, de l'hygiène et quelques thés. On va commencer par 2 savons saponifiés à froid. J'utilise ce genre de savon depuis maintenant quand même un long moment. J'en ai essayé beaucoup, les Clémence et Vivien notamment. J'ai essayé le fameux Caritic, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je n'arrive plus à mettre la main sur mon savon, en fait. Je crois que je l'ai laissé quelque part, mais en tout cas la boîte se présente comme ceci, je vous montre de plus près. Donc c'est un savon saponifié à froid qui est très très doux et qui est surtout sur gras. La base de karité, donc la marque Caritic, a vraiment une gamme à base de beurre de karité, du beurre de karité non raffiné. C'est une marque équitable également. Ils n'ont pas énormément de produits, mais j'ai l'impression que leur gamme augmente de plus en plus. Beaucoup ce savon saponifié à froid, je l'utilise pour le corps, je l'utilise pour le visage de temps en temps et je l'utilise de temps en temps pour les cheveux, mon après-shampoing en fait, pas tout le temps, hein. C'est vraiment quand j'ai vraiment pas besoin de beaucoup d'après-shampoing, ou par exemple quand je vais à la piscine avec l'agression du chlore, etc. Quand je vais à la piscine, je mets un après-shampoing en fait pour protéger mes cheveux du chlore. Et puis je viens rincer mes cheveux et je viens par-dessus mettre un tout petit peu de ce savon saponifié à froid, plutôt sur les longueurs qui vont être facilement asséchées. Et je trouve que ça marche assez bien, ça fait vraiment des jolis cheveux. Bien sûr, faut pas en mettre trop, mais le fait que ce soit un savon saponifié à froid, ça fait que bien les ingrédients ne sont pas chauffés, les huiles ne sont pas chauffées, et du coup elles gardent toutes leurs propriétés, et c'est vrai que ça apporte un vrai soin aux cheveux. C'est pas quelque chose non plus que je ferais tout le temps, parce qu'il y a quand même une base lavante. Et alors un autre savon saponifié à froid que j'ai découvert, et je pense vraiment que c'est mon favori, encore mieux que le Caritic, c'est le Lulu & Goot, ou je sais pas comment on dit, Lulu & Goot, je ne sais pas, je vous montre. Le packaging est vraiment très joli, c'est un packaging en carton pour l'autre aussi. La marque Lulu & Goot a la charte Slow Cosmetics. C'est un savon donc saponifié à froid à nouveau qui se présente comme ceci. Il est vraiment très joli d'ailleurs. Il est à base de noisettes et d'orange. Quand je l'ai reçu, je vous avoue, j'étais un petit peu déçue de l'odeur. Je m'attendais à une odeur vraiment très fraîche. C'est une odeur très boisée en fait. C'est la noisette, j'imagine, qui fait ça. C'est une odeur vraiment un peu masculine. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très frais pour l'été, mais c'est plutôt boisé, mais c'est pas très très grave, hein, parce que bien c'est vraiment mon savon saponifié à froid favori, parce qu'il est vraiment très très doux, la mousse est vraiment onctueuse, c'est vraiment très gourmand comme texture, c'est très fondant en fait, et surtout pour le corps je remarque vraiment une différence par rapport aux savons qui ne sont pas saponifiés à froid, par rapport au gel douche. C'est vraiment un vrai plaisir de l'utiliser, j'essaye de l'économiser, j'utilise également pour les mains. Voilà, c'est un savon qui était fait en France, celui-là également. Donc ce sont 2 savons de marque française. C'est encore mieux d'acheter belge, hein. Il y a la marque Belbuge qui est très très bien également, mais voilà, j'avais envie de tester celle-là et franchement je suis vraiment épatée par la qualité. J'utilise toujours le dentifrice Cristal de la marque Pachamamaï. C'est un petit dentifrice vegan, certifié vegan, hein. Pachamamaï, c'est une marque vegan certifiée cruelty free. C'est un dentifrice que j'aime beaucoup, qui part vraiment assez lentement. On l'utilise avec mon compagnon, les deux à l'utiliser. Je suis vraiment ravie qu'il l'utilise aussi. C'est un dentifrice qui sent la menthe, c'est vraiment très agréable. Alors si vous êtes habitué aux dentifrices chimiques qui contiennent du fluor, qui contiennent des agents très très moussants, là, très, très agressifs, c'est vrai que c'est beaucoup plus doux, il faut un petit temps d'adaptation, mais moi ça fait un petit temps, vraiment je l'aime beaucoup. Il nettoie bien les dents, il n'y a pas besoin d'avoir une mousse de fou pour que ça nettoie bien. La composition est vraiment très minimaliste de son dentifrice. Il existe maintenant au charbon et je pense qu'il y a aussi une version pour enfants. Bon, pourquoi pas si vous avez des enfants. Ceci dit, j'avais envie de tester la version dentifrice à l'huile de coco. J'ai jamais testé de me brosser les dents à l'huile de coco. C'est un truc que je ferais bien ces vacances, hein. Je vais essayer, je vous en parlerai si je fais l'essai. Bon, en tout cas, ce dentifrice, c'est un vrai plaisir. En plus, le pot ici que j'ai, je ne l'ai pas racheté en fait. Je peux l'acheter sans le pot, ce que je trouve quand même assez bien, puisque le but de la marque Pachamamaï, c'est quand même une marque assez engagée au niveau du zéro déchet. Et du coup, je trouve ça bien qu'ils fassent des refils sans forcément devoir acheter le petit
paquet. On va toujours rester dans l'hygiène et moi, bah, mon favori, c'est toujours le déodorant crème Miom Miom Tweet. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés récemment sur la chaîne, qui n'ont pas forcément vu mes anciennes vidéos, mais en tout cas, ce déodorant, c'est vraiment un favori. J'ai été l'acheter en Angleterre parce que j'avais des problèmes d'allergie avec le bicarbonate de soude. C'est une allergie qui s'est manifestée après quelques semaines, quelques mois, du coup, je n'avais pas vu tout de suite. Mes déodorants solides au bicarbonate de soude de chez Clément Sévillien et de chez Schmitt, c'est mon compagnon qui les utilise. Je suis vraiment ravie parce qu'il les aime beaucoup. Et il y en a un qui est vide, d'ailleurs je vous en parlerai prochainement. Mais donc je suis contente de savoir qu'ils ont une seconde vie. Je suis toujours accro à ce déodorant. Il est vraiment très doux, il fonctionne très bien. Alors quand on le met, on remarque pas forcément qu'il fonctionne très bien. Mais c'est que quand j'en mets pas, que je me dis j'aurais bien fait de mettre du déodorant. Donc voilà, c'est comme ça que je remarque qu'il fonctionne vraiment très très bien, surtout pour le côté anti-odeur. Je vous en parle pas plus longuement de ce déodorant, je vous en ai déjà quand même beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vais tout de suite passer à d'autres produits. Dans ma routine visage, j'utilise toujours une eau micellaire le matin, parfois le soir quand j'ai pas trop le temps. Et là, j'utilisais la Unique DN, c'est une marque que je ne connais absolument pas, c'est certifié Cosme Bio, c'est certifié Ecocer également. Je trouvais l'odeur assez gourmande, je trouvais ça vraiment très agréable. Franchement, je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment agréable comme odeur, c'est vraiment agréable sur la peau. C'est vrai que pendant un moment, j'ai utilisé celle d'avril, il me semble, et j'avais pas mal de soucis de peau, et je suis sûre que celle d'avril n'aidait pas. Et du coup, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux avec celle-ci. Je la rince systématiquement avec une eau florale. Je vais plus de nouveau faire un pitch sur le rinçage de l'eau micellaire, mais bon, voilà, l'eau micellaire se rince, en tout cas moi je la rince. Et du coup, j'utilise toujours des hydrolats. J'utilise toujours les hydrolats de la marque Essentiaga, certifiés agriculture biologique. Ce sont des produits biologiques français qui sont dans des flaconnages de 250 ml. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que moi, je ne pchite pas mes produits, mes eaux florales. Je viens tamponner sur mon visage. Donc, il n'y a vraiment aucun souci qu'il n'y ait pas de spray. J'utilisais celle de Rosa Bourbon, Géranium Rosa Bourbon. J'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle a une odeur herbacée, une odeur très végétale qui est très agréable. Moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Franchement c'est une eau florale que je rachèterais volontiers. Là dernièrement, comme je l'ai presque finie, j'ai acheté celle de menthe verte pour tenter autre chose pour l'odeur, surtout en été ça fera du bien. La menthe je la mettrai au frigo. Du coup on va rester avec le visage. J'ai deux produits que j'utilise assez fréquemment. J'ai le masque de nuit de la marque Nominoé qui est certifié Ecocer et Cosme Bio. C'est un masque qui fait un teint de licorne. J'avais fait une photo sur Instagram quand je l'avais utilisé. Ça fait un teint complètement nacré. C'est un masque transparent qu'on va mettre pendant quelques minutes voire une demi-heure en fait avant d'aller dormir, où on peut, je pense, le laisser la nuit. On peut le laisser, le conserver jusqu'au réveil. C'est un masque hydratant, donc vraiment pour si vous avez la peau déshydratée, ça va vraiment apporter une dose d'hydratation. J'aime beaucoup, il a une odeur un petit peu fruitée, bon, je vais vérifier que je ne me trompe pas. Une odeur plutôt, ouais, un peu sucrée comme ça, très agréable, et ça fait, ben, comme je vous le dis, un teint multicolore comme ça, transparent, un peu licorne, c'est très spécial. Et je trouve qu'il fonctionne vraiment bien pour hydrater la peau. Il n'y en a pas beaucoup, je l'avais eu dans une Beautiful Box également, ou dans une New Box, je ne sais plus. En tout cas, la marque Nominoé est une marque qu'on peut trouver en Belgique dans certains magasins, Chaussée de Waterloo notamment, je sais qu'il y a un magasin qui vend cette marque. Avec ça, j'utilise un gommage, j'utilise d'abord le gommage. Je trouve ça plus normal d'agresser la peau, en fait, de faire le nettoyage de la peau avant de faire le masque. Parce que c'est vrai que je vois souvent des masques avec un gommage qui se fait juste après. Je trouve ça un peu bizarre. Je préfère gommer la peau avant puis l'apaiser après. J'ai oublié de vous dire que ce masque se rinçait facilement puisqu'il se transforme en lait, en fait, au contact de l'eau. Et c'est le cas également de ce gommage qu'on peut rincer très très facilement puisque sa formule en fait permet d'avoir un rinçage très très facile. C'est la marque Any Skin Care, c'est une marque qu'on a déjà eu plusieurs fois dans la Beautiful Box. Elle n'a pas de label bio, par contre elle a un label One Voice. C'est un gommage que j'aime beaucoup, il a des grains vraiment très fins qui conviennent vraiment pour la peau du visage. Faut pas en mettre beaucoup parce que... Bah déjà l'embout ne permet pas d'en mettre beaucoup, c'est un tout petit embout qui, quand on appuie, il n'y a presque rien qui sort.
C'est vraiment très très agréable comme texture, on dirait du miel avec du sucre. Si vous voulez pas trop agresser votre peau, c'est un gommage qui est préférable d'être utilisé sur la peau humidifiée au préalable. Et puis au contact de l'eau, c'est vraiment très très simple et ça se rince facilement. Donc franchement, je vous conseille si vous voulez un soin hebdomadaire ou même une fois par mois, c'est vraiment très très agréable. Je m'excuse si j'ai du mal à parler, mais simplement j'ai plus trop l'habitude de filmer ce genre de vidéo, du coup j'ai l'impression de parler bizarrement. J'en suis sincèrement désolée. Ensuite, on va parler cheveux, puisque j'ai racheté dernièrement la fameuse gamme de la marque Propolia. Propolia, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est une de mes marques préférées au niveau des cheveux. Et du coup, bah, je reste avec la gamme de Propolia et j'ai racheté le shampoing doux qui est vraiment un délice, qui lave vraiment bien les cheveux, qui fait des cheveux doux, qui est juste parfait. Et du coup, ils ont sorti un après-shampoing il y a quelques mois, qui est le shampoing, l'après-shampoing Être de Mèche. C'est au miel, à l'argan, à la protéine de blé. Donc c'est un conditionneur que je mets parfois en avant-shampoing, parce que c'est vrai que quitte à payer assez cher un après-shampoing, autant l'utiliser en masque, parce que ça fonctionne plus longtemps. Moi j'aime beaucoup l'utiliser avant-shampoing. Donc c'est un après-shampoing qui contient essentiellement de l'eau, du vinaigre, de l'aloe vera. Aloe vera, sachant qu'il est en troisième position, ce qui est assez bien pour l'hydratation des cheveux. De l'alcool qui est assez haut dans la composition, j'avais pas remarqué. De la glycérine végétale, forcément. De l'huile d'argan. De l'huile de coco, donc une fragrance assez basse dans la composition, au milieu de la composition. Tocopherol comme d'habitude. Sodium benzoate qui est très bas dans la composition. Du coup, j'adore ce produit, c'est un véritable coup de cœur qui fait des cheveux vraiment merveilleusement doux. Moi, je préfère l'utiliser en masque, comme je vous l'ai dit. Le seul truc, je ne supporte pas l'odeur en fait. C'est une odeur ultra chimique. Pourtant, j'ai regardé, il n'y a rien de chimique là-dedans. C'est peut-être le parfum qu'ils ont mis à l'intérieur, mais je déteste l'odeur. Je pensais que ça aurait l'odeur du shampoing, du masque, etc. Mais non, cette odeur est ignoble. Mais bon, je le trouve génial en tant qu'après-shampoing, donc je pense que je vais le terminer et le racheter. Voilà. Avant de passer aux déceptions et aux tés, je voulais vous parler de choses dont je vous ai déjà parlé, donc je vous les montre brièvement. Toujours l'anti-cerne de chez Avril. Je l'utilise toujours, je couvre bien, il part assez rapidement, mais bon, voilà, j'ai pas forcément envie d'investir dans un énorme anti-cerne qui coûte 20 balles en ce moment. J'aime beaucoup cet anti-cerne, il tient bien, il suffit de réappliquer au cours de la journée, c'est pas très grave. De toute façon, en été, avec la transpiration, etc., il faut quand même réappliquer le maquillage, donc c'est pas très grave. Et là, je réutilise encore une fois l'Hibiscus Crazy Rumor. Le fameux baume à lèvres teinté qui est vraiment un plaisir à utiliser. Je vous montre la couleur. C'est vraiment super joli. Vraiment. J'adore. C'est très naturel. L'odeur est un petit peu mentholée comme les cruelty free et vegan. C'est vraiment un baume à lèvres que j'aime beaucoup. Je voulais juste vous parler de deux petites déceptions. Enfin, la première chose, c'est un produit, j'arrive pas à me situer sur ce produit. C'est le gel anti-imperfection de la marque Green Lady. C'est le Sublime Correcteur, c'est un gel sous forme de stick. Déjà, l'embout, je sais pas en quelle matière il est, mais on dirait du silicone. C'est pas forcément une matière que j'aime beaucoup utiliser, mais bon. Ça se nettoie quand même facilement. Le produit sort pas facilement en fait de ce truc, donc il faut tourner, puis tout d'un coup tout sort à la fois. Enfin soit, je pense qu'il y a des défauts avec mon packaging. Je vois pas trop en fait d'efficacité sur mes imperfections. Franchement, c'est beaucoup plus simple avec l'huile essentielle de Tea Tree. Donc franchement, pour le moment, je vois pas trop l'utilité de ce produit. Je vais encore essayer hein, parce que je l'ai eu dans la Beautiful Box. Du coup, je me dis, je pense que c'est aussi un produit qui coûte assez cher hein, au départ. Du coup, je vais quand même encore essayer. Mais je suis un petit peu dubitative avec ce produit. Et un autre produit que j'aimais beaucoup et que j'aime un petit peu moins maintenant. Maman, oh là là, j'arrive plus à parler. C'est un shampoing de la marque Helvetia Natura. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un shampoing d'une marque suisse qui est certifiée Nature et Progrès. Donc c'est un produit personnellement que j'aimais beaucoup, qui est très doux pour les cheveux, qui a une composition vraiment très très saine. Par contre, maintenant, je sais pas, ça fait quelques mois que je remarque qu'il nettoie plus si bien les cheveux que ça. Je trouve que j'ai souvent des endroits un petit peu plus gras, qui sont moins nettoyés. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que je l'utilise mal? Moi, je trouve qu'un shampoing ne doit pas forcément, on ne doit pas en mettre beaucoup. Souvent, je le dilue dans la main ou dans un pot parce que ben voilà, c'est mieux de ne pas avoir trop d'agents en lavant. Mais là, je trouve qu'il nettoie moins qu'avant. Je ne sais pas. Pourquoi? Je dois en mettre plus et ça j'aime pas beaucoup. J'aime bien économiser mes produits, surtout que c'est un produit dans un flacon en plastique. Du coup, bah, si je l'utilise super vite, je vais devoir déjà le jeter. C'est pas très écologique. Voilà. J'ai un petit peu du mal pour le moment avec ce produit. Je ne sais pas pourquoi au début j'aimais beaucoup et là en ce moment ça ne va plus.
Je vais vous parler de deux thés avant de terminer cette vidéo. Alors vous allez me prendre pour une tarée, mais en ce moment j'adore le rooibos de Noël de la marque Maison Bourgeon. La marque Maison Bourgeon n'est pas du tout une marque naturelle, c'est une marque française qui fait beaucoup de produits de très très bon thé. Par contre, le seul truc que je remarque quand même avec cette marque, c'est que le thé vieillit pas très bien. Est-ce dû à une mauvaise qualité? Peut-être, j'en sais rien. Je suis toujours vraiment ravie en fait des odeurs, des goûts qu'ils font. C'est vraiment des choses très enfantines, des odeurs et des goûts très enfantins, des choses vraiment délicieuses. Mais j'ai peut-être l'impression que la qualité n'est pas aussi au point que dans d'autres thés. Mais c'est vrai que c'est un thé qui n'est pas très très cher non plus. Donc je s'y expliquerai cela. Mais toujours est-il que j'adore le rooibos de Noël. C'est un rooibos à la cardamome, à la cannelle, aux oranges, aux clous de girofle, aux pommes et aux pétales de rose. Et ça, je prends avant d'aller dormir. C'est un véritable délice. J'en prends pas trop pour pas m'enlacer. Mais franchement, j'adore. C'est vraiment délicieux. Et alors, un autre thé que j'utilise en ce moment, où, franchement, c'est un truc de Noël de nouveau. C'est une infusion ayurvédique aux épices, à la cannelle, à la cardamome, de nouveau, et au gingembre. C'est très boisé, à la cannelle. Enfin, j'adore. Enfin, c'est vraiment des trucs d'automne plutôt. Mais moi, j'aime beaucoup en ce moment. Le soir avant d'aller dormir, même si le gingembre c'est pas forcément recommandé avant d'aller dormir, mais moi j'aime beaucoup. Et c'est certifié agriculture biologique, c'est la marque Yogiti que vous connaissez certainement, c'est une marque assez connue qu'on trouve très facilement. Donc c'est un véritable coup de cœur ce thé. Par contre, j'essaie maintenant, ça fait un moment maintenant que j'essaie de ne plus acheter des thés en sachet. Je trouve ça tellement un gaspillage. Déjà, chaque sachet est emballé individuellement alors que c'est pas forcément nécessaire. En plus, la durée de vie du sachet n'est pas très très longue. Donc franchement, je trouve ça un peu un gaspillage de papier. Du coup, maintenant, j'achète strictement en vrac. Il n'y a que dernièrement, j'ai encore craqué pour un truc séparément. Mais franchement, ça me fait un petit peu mal en fait de payer pour des trucs. Surtout que je ne le prends pas à emporter, je prends juste chez moi. Donc voilà. Ma petite remarque du jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon parce que ça fait longtemps que j'ai pu filmer des vidéos de ce genre. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo livre certainement, mais je vous reviendrai certainement pour des vidéos beauté un peu plus fréquemment au courant du mois de juillet et août. Je voulais quand même vous dire que le mois de juillet, je serai partie, donc je vais pré-filmer mes vidéos. J'espère pouvoir le faire, pré-filmer des vidéos qui arriveront au courant du mois de juillet. Donc si je vous réponds pas à vos commentaires tout de suite, ce n'est pas que je ne vous aime pas, que je vous nie, c'est simplement bien que voilà, je ne suis pas là, je suis en vacances. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!